Bonjour, nous sommes en direct de l'Armada de Rouen. Bienvenue et oui, il faut baisser le micro. C'est moi la présentatrice vedette, je suis Caroline et je vous accompagne cet après-midi en direct de Rouen. Il y a plein de bateaux magnifiques, c'est multicolore, c'est international et franchement ça vaut la peine. On ne pourrait pas imaginer une ambiance si exceptionnelle et décontractée ici à Rouen. Coucou à tout le monde, à mes amis de l'heure, à mon chéri, et thank you very much to everybody. Je suis la présentatrice, je vous présente le best-of. Ce n'est pas si facile que ça en fait, on pourrait croire que c'est facile, mais finalement c'est assez... Il faut se lâcher devant la caméra et le côté naturel n'est pas si facile que ça, mais je vais essayer de le faire quand même, comme je suis la présentatrice vedette. Le best-of, c'est en direct et je répète, nous avons une quantité de bateaux, des bateaux russes jusqu'au Belém ou au bateau avec 600 bateaux, je crois, je ne sais pas, je vérifie, 120 bateaux, excusez-moi, j'ai fait une erreur, 120 bateaux ici à Rouen pour 10 jours et ça continue encore jusqu'au, je ne sais plus la date, jusqu'au 16 juin. Merci à tous, bye bye. C'est magnifique, on regrette simplement de ne pas être arrivé le jour où les bateaux arrivaient. Pour les voir passer, voilà. Parce qu'on n'aura pas l'occasion de les voir partir puisqu'on sera déjà parti. On fait une bonne halte devant les bateaux à Tabarly parce que c'est assez émouvant. C'est une vraie volonté de l'association Eric Tabarly de faire naviguer les 5 Pendwick en flotte. Bon, évidemment, c'est pas tous les jours l'Armada.